quelle loi servez-vous? J'écoute. Ah, ok, Les excusez-moi. lois vous protègent. Excusez-moi, je viens de voir, j'ai un item. J'ai un item. Alors, est-ce qu'il faut que je... Rendez grâce aux lois de la métamorphose. Ok. Ok, Que d'accord. Pacu veille. Ok. Bon, donc en fait, il faut utiliser le totem. Puis après, voilà quoi, c'est tout. C'est assez simple comme quête. Quelque chose me dit qu'ici, je vais prendre cher, je sais pas pourquoi. Non, ça va. Voler avec Bakou. Que Pâques me veille sur vous. Bon, voilà, c'est relativement simple ça comme quête, hein, quand même. Vous deux là, vous paraissez suspect. Molo a dit toujours. Aloha. Cette salle mégère de Bilote à Raptor, de Bigote à Raptor, elle ose m'accuser de ne pas faire ma part du travail. Que les vents de la guerre vous soient favorables. C'est de la merde, ces quêtes. Laissez-moi deviner, Lottie, elle vous a dit de tuer tous les trolls qui sentent la magie du sang, c'est ça? Vous parlez d'un plan à la noix. Vous voyez, la magie de sang, elle fait partie de nos traditions passées. Et les nôtres cèdent à la tentation seulement parce que notre frontière nord est vulnérable. Venez, il faut qu'on aille patrouiller à la lisière de Nazmir. C'est là-bas que le mal a pris racine. Patrouiller dans les cieux avec le seigneur des Malfisral. Ok. Choisissez le bon loa. Mince, j'ai cliqué à côté. Je sers Pacu, un des plus anciens loa. Ne volez pas dans les plumes de Pacu. L'approche de Loti est trop terre à terre. Je préfère celle du pterodactyle. Pas mal.
Je vais vous montrer les meilleurs endroits et vous aurez l'honneur de lancer le totem sentinelle. Il faut aller plus haut. On va monter sur le dos d'Ata, le seigneur ailé pour voyager. Grimpez et gardez bien l'œil ouvert. Oh purée, d'accord, ok. Oh c'est chaud. Il y a quelques années, le cataclysme a fait bouger la terre ici. Nos portes au nord sont tombées et beaucoup de trolls de sang féroces sont entrés. Oh purée! Non mais c'est dur. En fait, faut passer là où il y a des lumières. Mais en plus... Mais ma caméra, elle suit pas! La caméra, elle suit pas! Ouais, je suis de retour au point de départ. Je m'attendais pas à ce que ce soit... C'est la première fois qu'on voyait la vraie magie du sang. Pas ces tours de magie ridicules qu'on fait dans les petites tribus. Nos défenses deviennent faibles. La princesse Talanji a demandé plus de troupes, mais comme son père n'a pas agi assez vite, elle s'est tournée vers la Horde. Il ne se passe pas une semaine sans que les Andalari utilisent la magie du sang des hérétiques de Nazmir. Purée, je l'ai raté. Quelque chose est différent. Je sens une magie puissante à Zanchu. Là, viens là. Je vous laisse avec ouais. L'outil. Dites-lui que la source de tous ses ennuis pourrait bien être Azanchul. Génial, le passage sous la map. Bah oui, mais je suis con, moi. Je vais tourner en rond indéfiniment. Faut juste que je retourne... Maintenant. Non, retour à la terrasse, peut-être. Oui, parce que je viens de refaire un tour, là, je crois.
Je sais même pas où je suis en fait. Ok, d'accord. Ok, je sens que je vais... Voilà. Bah, juste faire ça comme... C'est pas possible. Je suis bloqué. Ah, ça a été le tournage de l'horreur aujourd'hui. Bon bah pause et relancement du jeu. Allez, à tout de suite. Bon, on est reparti. Je sers Gonk, le maître de la métamorphose. Alors comme ça, ce tordu, il essaye de vous embobiner avec ses belles paroles et une petite balade aérienne. Il faut dire qu'avec son groupif, il ne manque pas d'air, celui-là. Ok, super, Alors, qu'est-ce qu'on a? 20 pièces d'or, 20... hop, ça coûte plus cher. Perdez jamais la trace de vos ennemis. Ok, la chasse est ouverte. Quelque chose a changé, c'est tout ce que ça lui inspire, Aral. Son troupeau de... de ptérodactyles. Il a envahi la cour de Zanchul, quelque chose les rend fous. Chassez-les avant qu'ils se fassent mal ou qu'ils blessent quelqu'un. Chassez 20 jeunes ptérodactyles. Ok. Conflit. La cour de Zanchul, elle grouille de ptérodactyles qui sont devenus fous à cause d'une sorte de rituel occulte. Toute l'énergie accumulée, elle se concentre ici. Et c'est pas facile d'en identifier la source. Il va falloir que je remonte à la piste. En attendant, prenez ça. C'est le pouvoir de Gonk. Avec ça, ses alliés, ils viendront vous donner un coup de main au combat. Les ptérodactyles enragés. Vous devez les éliminer. Quand ce sera fait, allez dire à Ral qu'il doit se débrouiller pour tenir ce troupeau en laisse. Tuer si ptérodactyles assoiffés de sang. Pour la meute. Bon. Là, c'est chiant, c'est J'ai les objectifs bonus qui sont apparus. Ça fait chier parce que j'ai pas les... Je vois mal les quêtes. Bon. De toute façon, voilà. Je n'ai pas de cible. Faut juste buter du ptérodactyle. Cible incorrecte. J'ai un truc à utiliser. Vu que je vois pas la quête, je peux pas l'utiliser. Il me faut une cible.
Ah ok. Faut juste que je passe à proximité. Bon, ça va se faire assez simplement. Faut juste que... Voilà, c'est un petit peu comme des points de passage, je pense. Bon, ça va se faire assez facilement. Voilà, ça a été relativement simple. Par contre... Ok, c'est là-bas. Ah oui, malheureuse ressource de guerre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ok. Bonjour, Pakuaï. Mais qu'est-ce qui vous prend de chasser mon troupeau? Choisissez le bon loa. Vous étiez vraiment obligé d'en tuer mon autant. Loa dit toujours, partez. Je sais bien que la situation est grave, mais quand même, elle vous a donné le pouvoir de son loa. Cette Lottie, elle cherche surtout à prêcher pour sa paroisse, à croire qu'elle se moque complètement de la menace des trolls de sang. Vous voyez ce temple derrière moi, il y a 3 gardiens dedans. Quand j'y suis entré, ils ont essayé de me tuer. Moi, vous vous rendez compte, quelqu'un a osé corrompre son propre gardien, nos propres gardiens. Tenez, c'est la voix de mon loa, Paku. Le ptérodactyle, je vous la prête, servez-vous-en pour anéantir cette corruption. J'ai 3 gardiens corrompus. Que Paku voit vos ennemis avant qu'ils vous voient, mon loa dit toujours « Aloha !» Mm-hmm.
Donc c'est pas ça. Faut que je monte par là. Ok, et bien le dernier. Bon, je dois me rendre où? Bah, d'accord, ok. Super. J'ai ciblé la mauvaise quête. C'est pas vrai, attendez, excusez-moi. Ok. Attendez, je suis ennuyé là, je passe par où? C'est l'enfer de pas pouvoir voler, sérieusement. C'est pas par là. Pas par là non plus. Ok. Ou pas. Aïe 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 aïe. Jules Delard. Alors que les villes circulaires comme la fosse soyeuse ou Satra, c'est tellement facile de se repérer dedans. Et même en tournant en rond, au moins on se repère, quoi. Là, c'est... Les plans sont incompréhensibles, c'est chiant.
Je crois qu'en fait, je dois me retaper tout le truc parce que c'est ça doit être dans le temple. Je m'en tape, je trace. Il me dit que c'est là, mais plus haut. Ok, donc faut que je monte. Vous avez déjà laissé parler votre côté sauvage? La situation, elle est pire que je le pensais. Ne comptez jamais la bête. Bonne nouvelle, la source de la corruption, on l'a enfin trouvée. Le problème, c'est qu'il y a un rituel en cours tout en haut de Zanchul. Des hérétiques essayent de renforcer par leur magie du sang une sorte de troll redoutable. J'ignore comment il est arrivé là-haut sans qu'on le remarque, mais j'imagine que c'est un sujet qui alimentera de nombreuses disputes entre Raal et moi. Enfin, la priorité pour l'instant, c'est de mettre un terme à cette hérésie. Tuer Dregada. Choisissez bien votre loa. C'est drôle, Dregada. On dirait les bonbons, là, les Tagada. C'est ça, là? Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Ah d'accord, je suis même aidé par un autre joueur ou... Par un autre joueur. Ok. Donc ça va être ça. Comme ta sœur. Ah non, c'est pas un autre joueur, c'était... Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus entendre parler d'elle. C'est ça la forme que vous avez choisie pour vous promener? Le sang ne souillera pas mon temple, ça non. C'est une baguette, ok. Laissez libre cours à votre côté sauvage. Choisissez un loa. Oh! Bon, la plaisanterie a assez duré, mais généralement, je ne suis pas du genre rancunier, mais je dois dire une bonne chose, je ne vais pas vous laisser manger à tous les râteliers. Il faut faire un choix, le loa de Raal ou le mien. Les loas, ils sont pas très partageurs, vous voyez. Ne donc, le maître de la métamorphose et seigneur de la chasse, est un puissant loa. Il peut vous donner accès à ses nombreux totems dans la cité, qui permettent d'aller plus vite. Intéressant, et... C'est pratique si vous aimez courir, mais si vous préférez voler, il y a Pakou, le loa des vents. Ces totems sont plus rares, mais ils permettent de prendre des raccourcis en survolant la ville. Ah! Plus rare, mais plus rapide, ou plus nombreux et plus lent. On a déjà assez de fly, hein. Les fly en soi qu'on a, ils sont suffisants, ça sert à rien d'en rajouter. Par contre, peut-être que des terrestres, ouais. Êtes-vous ici pour conclure un marché? Oh, le Loa, il est puissant ici.
Merde. Choisissez bien votre loa. On peut changer, c'est ça la forme que j'aimerais choisir un autre loa. Ok, d'accord, on peut le faire. Choisir son camp, votre choix est fait. Excellent choix. Maintenant, suivez-moi. On va voir le boss. Gonk, vous le trouverez dans son repère à l'ouest, dans le jardin des Loa. Vous devriez apercevoir ses totems, et si vous courez après eux, ça augmentera votre vitesse. Moi, je vais continuer à faire le ménage pour débarrasser le temple des hérétiques. Faites profil bas en présence du Loa, sinon il n'hésitera pas à vous arracher la langue. Négocier avec. Perdez jamais la trace de vos ennemis. Okay. Je sers Paku, un des plus anciens Loa. Et donc là, je dois me rendre, voilà, là, au fameux jardin là. Alors quelque chose me dit que je m'apprête à faire quelque chose qui est... Voilà. Ah, je m'encombre plus, hein, honnêtement. Alors là, je suis emmerdé parce que je suis tombé directement dans la jungle si je... Là, par exemple. Bien. J'ai pas très bien compris comment y accéder. Ok. Qu'est-ce qui vous amène devant le seigneur de la chasse? Ok. Ah, un démoniste s'aventure dans ma tanière. Dites-moi, petit elfe de sang, êtes-vous ici pour passer un marché avec moi? J'ai décidé il y a fort longtemps de laisser mes adeptes suivre d'autres lois. Mais j'exige de ceux qui veulent s'attirer mes faveurs d'être des symboles vivants de ma puissance auprès du peuple de Zandalar. Si vous voulez recevoir ma bénédiction, retournez jusqu'au batch. Pardon, jusqu'aux marches de Zadaralor et érigez un sanctuaire digne des dieux en mon honneur. En échange, je vous traiterai comme un membre de ma meute. Je marche. Ce marché vous convient-il? Apparemment, j'ai pas le choix. Apportez la force à votre meute.
C'est loin ou... Ça va. Ça, hein. Ça va être... Oui, c'est ça. C'était pas ça. Je me suis planté. C'était juste là. Je sers Gonk, le maître de la métamorphose. Eh bien, votre langue est toujours là. Et ça, c'est bon signe. Venez, il faut annoncer votre choix officiellement, maintenant. Pour la meute. Maintenant que vous êtes choisi un loi, le temps de votre séjour à Zandalar, il faut aller voir le roi pour lui faire part de votre décision. Il sera ravi d'apprendre que vous avez opté pour le puissant Gonk. Perdez jamais la trace de vos ennemis. Donc, direction le roi Rastakhan. Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Ainsi vous avez choisi la voie de Gonk, puisse-t-il vous mettre sur la piste de vos ennemis? Pour ma part, je suis un fidèle disciple de Rezan, le loa dinosaure des rois. Cependant, cela fait des années que nous n'avons pas discuté, lui et moi. Je devrais peut-être lui rendre visite à l'occasion. Que l'ennemi tremble en vous êtes voyant. En grand danger. J'ai eu une vision d'envahisseurs venus s'emparer de votre trône. Ils approchent du port de guerre Rastari à l'heure qu'il est. Replions-nous sur Zanchul tant que nous le pouvons encore. Abutu, Zolani, emmenez le membre de la Horde avec vous et reprenez le port. Ce n'est pas aujourd'hui que mon règne s'achèvera. Ok. Un groupe de Mogu. Les Mogu. Les Mogu, en fait, c'est ça, c'est les... Alors, voilà, si vous connaissez pas, allez voir le Mogu. C'est une petite vidéo de mode Zinor qui date, de, je crois, de 2004, peut-être. 2008 ou 2008, je sais plus. Mais le Mogu, vous tapez sur YouTube ou sur son site à Modinor, le Mogu, et ça se pisse dessus. Tellement c'est drôle. Voilà, a pris le contrôle du port de guerre de Rastari et menace de s'attaquer à ma ville. J'ai comme l'impression que Zul ne contrôle pas vraiment ses sbires. Excusez-moi, ce port est capital pour notre flotte, il est brut, et si ces brutes réussissent leur coup, Zul'Dalar tombera, et il n'y aura plus de flotte pour soutenir votre horde. Vous voulez prouver que vous êtes un allié des Andalari, retrouvez ma lame et mon bouclier au port, et aidez-les à faire un grand ménage.
rejoignez Ubuntu et Zonari au port de... Zandala, pour toujours. Ok. Oh, c'est les fameux totems. Ah d'accord, ça me donne juste un bonus de vitesse en fait. C'est tout ce que ça me donne? Mais dis donc. D'accord, ok. J'ai vu que j'avais un fly, je crois, juste à côté. Ouais, c'est ça. Donc je vais prendre le fly. Mais dis donc, ça pue un peu la merde. Qu'est-ce qui vous amène? Je sers les enfants. Oups, désolé pour ce bruit. J'ai plus de flotte, moi. Ah si. Si, j'ai encore de la flotte. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Je crois que je l'ai dit il y a longtemps dans cette série. Bien, voyons un petit peu ce que ça raconte. Parlez. C'est pire encore qu'on le croyait, et le mot, il est faible. Zandala, pour toujours. Bon, alors. Tuer 8 sentinelles chargées. Ok. Donc, attendez, je vais lire quand même. Les Mougous. <C'est>... Je m'y ferai pas, honnêtement, les Mougous. Il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison. Ils ne comprennent qu'une chose, la force. Par chance, la force, les Zandalari en ont à revendre. Sauf qu'on n'est pas assez nombreux. Nos guerriers, ils ne sont pas prêts à les affronter. Vous pouvez vous battre pour un elfe de sang. Pourquoi vous ne joueriez pas les ambassadeurs auprès de ces brutes? Allez leur montrer que les Zandalari, ils ne sont pas tout seuls sur ce coup-là. Dichuka, Zandalar. Ici, c'est le port d'attache de la flotte Zandalari. Heureusement, la plupart de nos navires n'étaient pas là quand les Mogus... Ils ont... je vais rire à chaque fois. Ils ont débarqué, mais les Rastari... Il reste une force de défense pour cette ville. Les Mogus... je vais pas y arriver. Les Mogus n'arrivent pas en territoire conquis, démoniste. Il y a tout un tas de braves guerriers dans le coin, prêts à se battre jusqu'à la mort. Prenez ce sifflet, mobilisez les combattants. Nos gars, ils entendront le signe de ralliement et ils sauront qu'ils sont pas seuls. Rallier 12 défenseurs Rastari. Ouais. Alors, par contre, c'est chiant ton sifflet là. Je vais le mettre là pour le moment. Il y a une quête ici, je vais la prendre, tant que j'y suis. Nommez votre loi
et je nommerai le mien. Vous êtes pas un Zandalari, mais votre esprit est animé par une passion que j'ai plus vue depuis des années. Je suis le lieur de vagues, c'est grâce à moi que les Loa bénissent nos navires, et croyez-moi, je laisserai pas ces rochers souiller mes terres. Rassembler mes bijoux, mon grimoire et certains de nos morts que j'ai mis de côté pour ce genre d'occasion. Ces brutes pensent qu'elles ont gagné, mais elles vont bientôt avoir affaire à Bronsamdi en personne. Trouver les bijoux, retrouver. Voilà, bon, les bijoux, les colliers et les autres du côté du reste vénéré. Ok. Quand le Loa parle, écoutez-le. J'ai pas mon marcheur. Ah d'accord, ok. Le port de guerre ne doit pas tomber. Merde. Par ici, on protège les bijoux de Kazajin. Ok, et... Attendez. Non, ok, vous êtes déjà rallié. Donc je peux pas vous rallier en une deuxième fois. Là-bas. Protégez la flotte! Ma vie pour l'empereur! J'ai pas vu, j'en ai buté assez ou pas? Non, visiblement non. Je vais broyer votre crâne entre mes mains! Ok, maintenant j'en ai buté assez. Ok, il me reste les trois reliques là à récupérer. Eh, Crudy! Je suis la puissance incarnée. C'est pas là? Et je vais me refaire paralyser. Ah bah là, c'est bon.
D'accord, c'était au bout. Je suis la puissance incarnée. Ma vie pour l'empereur. Ok. Et il me reste un dernier truc. Qui est là-bas. Ok. Alors, est-ce que c'est en contrebas? Non, ça a plutôt l'air d'être sur la terrasse. Ou c'est là? Non, c'est pas caché ici. Bon bah je remonte. C'est ça? C'est ça, ok. Pourquoi mon marcheur il passe son temps à se faire défoncer? Je suis la puissance incarnée. Ma vie pour l'empereur. Ok. Bien. Les esprits murmurent votre nom. Les lois. Ils sont puissants ici. Qu'est-ce qu'il a? D'accord, c'est des objets visiblement de capteurs. Attendez. D'accord, ok. Non, ce sont des composants d'artisanat. Voilà. Ça a l'air d'être pour les ingénieurs. Salutations. Vous savez vous battre, mais notre boulot est loin d'être terminé. Okay. La volonté de Rastakhan sera faite. Nos guerriers, ils n'oublieront pas de sitôt que vous avez risqué votre vie pour les sauver. Merci. Ok. Quelle heure il est là? Ouais, ok. L'heure de leur chef, elle ne va pas tarder à sonner. Mais d'abord, il faut qu'on élimine ces lieutenants. Si on leur laisse le temps de reformer leur rang, on risque de perdre notre avantage. Joati est le premier de notre liste. Selon la légende, Lysen a dit qu'il avait un sacré lien avec les éléments. C'est lui qui commande les lieurs des tempêtes des Mogus. Notre deuxième cible, c'est le subjugateur Zen, une saleté d'esclavagiste qui ferait pâlir d'envie ceux de Kultiras. Je vous jure, vous n'avez encore jamais vu une ordure pareille. Tuez-les tous les deux et faites-les souffrir. Les Mogus, ils savent se battre, mais ils ne sont pas seuls. Donc tu es Joati, l'orageux et le subjugateur Zen. Voilà. Je vous écoute. Avec les guerriers de pierre animés, l'armée Mogu grandit à chaque seconde qui passe. C'est qu'une question de temps avant que ses troupes retrouvent leur puissance. Que Zul soit mille fois maudit. Ils avaient l'interdiction de rappliquer ici. Avec ses bestioles et de ressusciter le roi Tonnerre en Pandarie.
Il est le dernier rempart de la ville. Faut qu'on les arrête avant qu'il soit trop tard. Attendez, je comprends pas là. En fait, bah oui, d'accord, ok. En fait, les Mogu, c'est des créatures qui viennent à la base de la Pandarie, c'est ça? Ma vie pour le trône. Ok. Ah, il a masé lui. Eh bien. Notre volonté est celle des dieux. C'est quoi ça? Vous annihilez un guerrier intégré de foudre natif. Ok. Ça va être ça.